Dans quoi? Dans la frame là, je sais pas où quoi. Ta gueule. Oh putain, la vache. Eh bah les bêtes comme ça, laisse-la comme ça. En vrai, hein. J'avoue, la taille du patator. Et puis les, franchement, les roues. Ouais, eh, c'est bon, les trouves pas c'est bizarre? De quoi? De quoi c'est bizarre? Bah que le patator il soit biseauté. Oui, il a dû être recoupé. Hein. Il a dû être recoupé. Parce que normalement, c'est ça qui est plus loin que ça. Je sais pas. Ah, c'est bizarre ça. Dites-moi en commentaire si c'est normal ça. Normalement le pot. Mais c'est pas possible, il y a des traces de. Ce qui le débile, c'est pour ça en fait qu'il passe pas, qu'il dépasse pas là. Combien tu l'as eu? Pas cher. Voilà. Mais c'est débile. C'est comme ça. De l'eau. Dites en commentaire pourquoi Julien il a acheté ça. Donc là on a un LED AliExpress coupé. Oh merde putain, j'ai oublié. Et là on va pouvoir faire la découpe ici. Bon déjà on va enlever la lame. Allez, enlève Francis la lame. Franchement c'est pas si mal hein. Bon ça c'était des défauts qu'il y avait avant. Mais pas si mal. Bon la peinture en dessous ça, c'est normal. Elle n'avait pas été vernie en dessous. C'est de la merde. Mais... Bon voilà du coup bah on remettra la lame après. Mais là en fait du coup on voulait coveringuer par dessus mais on a la flemme. Donc on va le laisser comme ça. Ça choque pas trop. En vrai ça va, hein, ça va pas trop abîmer. Bon ça a enlevé un peu de peinture là. Là, bon, je pense à mon avis, ça c'est les défauts du covering, hein, parce qu'il colle tellement fort. C'est peut-être le pare-choc, il a sûrement été repeint, et là c'est une mauvaise adhérence de la peinture. Et ouais, puis, mais même là, tu vois ici, regarde ici, t'as une cloque de peinture derrière en fait. Et du coup, bah, c'est juste qu'elle devait pas bien adhérer à cet endroit-là, et puis bah évidemment, le covering ça a pas aidé. Mais après, ça arrive souvent avec n'importe quel covering, ouais. Hein, de toute façon, si la peinture elle est pas bien préparée derrière, c'est fini. Hein. Oh ce charcutage mon copain. Flemme, puis ça choque pas trop. En fait c'est mieux rien que covering déchiré. La covering déchiré ça fait vraiment moche, là ça choque pas trop. Voilà. Bah au final ça va et du coup on a refait la découpe là. Oh, ce son. Là du coup on a refait une petite découpe. Histoire que ça passe, que le pot on a remarqué il a été. Voilà, il faudra. Une fois refixé ce sera bien. Mais on a remarqué le pot il avait été scié à l'envers de l'endroit. Donc voilà. Si Cam il est motivé, il refera un covering, mais franchement, même comme ça, ça choque pas. Vaut mieux un pare-choc sans covering qu'un covering tout déchiré. Bah, ça le fera jusqu'à ce qu'on le change. C'était Fizz et Cam pour le Bros Garage, suivez-nous sur les réseaux, très important. Fizz, Cam. Ciao!